fiche. C'est une autre 13 quoi, j'aurais dû vraiment le couper tout à l'heure. C'était très lourd hein. Oh yes. Baby. Yeah. Oh, it's big. It's big. Yes. Oh non. Juste là, de nouveau. T'as qu'un hameçon. It's not my day. Ça, ça m'énerve là. Là, ça commence. C'est pas possible de rater tous les poissons aujourd'hui. Triples, je me fous un trip derrière. Ouais. Fiche. Tu l'as pris avec quoi cette fois? Avec le Yum Pulse. Et si j'avais pas mon deuxième hameçon, c'était foutu de nouveau. Hein. Bah là donc j'ai descendu mon leurre plusieurs fois, j'ai pas eu de touche, donc j'ai décidé de changer de leurre. Et ça tombe bien, tout à l'heure on a croisé Nicolas Cadieu d'Ultimate, on lui a demandé s'il avait des leurres finesse à nous prêter. Et il nous a donné une pochette. Donc là, la pochette ça ressemble à Slim quelque chose, Chad, ouais, je sais on pas. On sait plus lire en fait, on sur la pochette plus. Là il est marqué Slim quelque chose. Chad, ou... Donc je l'ai monté. Et je voudrais savoir de quoi il s'agit. Du coup, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est vraiment pratique dans l'application FishFinder. C'est au moment où vous allez rentrer en fait votre matériel, vous allez pouvoir scanner par code barre. Et à ce moment-là, quand vous allez scanner donc, le produit, il vous retrouve automatiquement le modèle. Donc là, il s'agit d'un Megabass leurre. Et le modèle, c'est Slingshad en 7 pouces. Donc là je l'ai retrouvé, je vais pouvoir le rajouter. C'est assez pratique. En plus la pochette elle est quand même abîmée quoi. Donc le code barre c'est pas comme s'il était en très bon état. C'est clair. Et malgré ça donc l'application, tu suffit de le scanner avec ton appareil photo et tout tu à fait. Retrouves la référence. Et tu peux même le prix etc. T'as le prix ouais c'est ça. T'as à partir du moment après tu vas cliquer sur le produit et tu vas pouvoir voir en fait si des poissons ont été pêchés avec. Donc pour l'instant aucun. Donc j'espère qu'on sera les premiers à l'utiliser et pouvoir mettre des poissons avec. Et derrière on n'a jamais pris de poisson. Pas avec le Slingshad. En tout cas sur l'application FishFinder. Je viens d'exploser mon record perche. Wow. Mon dieu, regarde-moi ça. Putain. C'est pas possible, je crois que c'était un pike, il est vraiment énorme. C'est énorme. C'est énorme. Oh là là. Mesure. Combien? Il a plein. Alors chaude pas à l'eau. 52. Non, 54. Non. Oh non. I need to go in the water. Quelle fiche de malade. Je pensais que c'était un brochet qui était venu taper dedans tellement que c'était lourd. Mais non, c'est la plus grosse perche que j'ai jamais vue. Elle fait 53 cm. Là, je viens d'exploser mon record qui était de 46. Je l'ai pulvérisé. Thank you, Marcel. Et yes, les gars, on est en direct de l'eau. Oh. Et le fish va repartir à l'eau. Voilà, il est reparti. Allez. Yes. Bon. It is. Il est bon. Le voilà. C'est nouveau. C'est une nouveauté 2018. C'est chez Fox. C'est le Slingshad. Le coloris, je ne saurais pas vous dire. Avec la tête rolling, c'est aussi une nouvelle tête. Celle-ci, elle fait 17 grammes. Putain, mais moi je chaude pas à l'eau maintenant. Je reviens sur ce que j'ai dit. Tu l'as dit. Ouais, mais je chauderai à l'eau non, ce soir. Non, attends, ce soir. Pas maintenant, parce que sinon ma journée elle est finie. De l'appart. Faut me ramener quoi après, hein, quoi, toi. Pour pouvoir te doucher vite quoi. Après, il faut me ramener, ouais. Fait du score, mec. Il est plus beau ce centre là. Ouais. Je repasse en tête. Mon Yum Pulse, ça rigole pas. Je remonte en tête cette compétition. Et c'est un beau centre, hein. Il fait 60, il est gros. Je le remets dans l'eau. Te laisse pas faire, Greg, te laisse pas faire. Il faut vraiment que tu prennes un
gros poisson. Ouais, il faut peut-être prendre un gros poisson. Là. Et moi qui t'ai dit de reprendre la main, le reg, là, je te largue de 2 points cette fois-ci. Alors, comment était la touche ? Violente. C'est vrai ? Oh ouais. Ça, c'est un beau gros cendre. Il est gros, il est long. Il était super lourd. C'était un beau combat que je n'ai pas filmé avec la pluie.